Chaque mardi, 21h30, 23h, Cédric Cizer vous ouvre les portes de son Cizer Palace. Il y a une question que je vais te poser, c'est est-ce que c'est vrai que tu es sorti avec Elisabeth Guigou ? Mais tout le monde a dit qu'est-ce ça à l'époque parce qu'on a fait une interview croisée. Alors est-ce que c'est vrai ou pas ? Tu peux tout nous dire à nous parce que t'as bien vu, on est dans une cave, personne ne nous écoute. C'est une femme mariée, elle était mère à l'époque ou de, ministre à Avignon. Avant. À Avignon, elle était mère d'Avignon. Non, dans le 9-3. Ah ouais ? Ouais, je crois dans le 9-3. D'accord. Et donc tu mais rien, on a eu un très en fait, il y a plus. J'ai pas suivi les dernières évolutions de la pensée, mais on a eu un grand questionnement. On en était arrêté là. Je lui ai dit, est-ce que c'est bien, tu crois ? Est-ce que ça se fait de rentrer dans la tête des gens ? Ah. Et en même temps, j'ai dit ça à une femme qui fait de la politique. Oui, c'est son principe. Ah ouais ? C'est son principe. Elle m'a dit non. Elle m'a avoué que non. Elle t'a avoué que non. Donc, tu n'as jamais été avec Elisabeth Guigou ? Pas du tout. Mais écoute, c'est ton regret ? Elle est super mariée. T'aurais bien aimé ou pas ? C'est mon style de meuf. Ah, voilà, c'est ton style, je savais. C'est quoi ton style absolu de meuf ? C'est-à-dire que vraiment, si t'avais la chance d'avoir une meuf là que t'as jamais eue dans ta vie ou que t'as eue peut-être, ton style numéro 1. Vanessa Paradis, c'était ton style à l'époque. Aujourd'hui, là, qui c'est vraiment la meuf que tu dis putain, celle-là, elle est extraordinaire ? Là maintenant tout de suite. Ouais. Parce qu'elle est peut-être derrière cette porte. Et vous pouvez les peut-être. Énumérer. Ah ben je sais pas. Non. Mais s'il n'y en a pas une, il y a pas de problème. Tout à l'heure moi j'avais pas de Léa pas de réponse. Léa Salamé. Mais elle est mariée. Oui mais. Ah mais lui c'est bien. Oh, non mais non, il est bien. C'est bien, c'est bien. Ça c'est très bien donc. Mais est-ce que c'est ton délire déjà? Est-ce que c'est faut que elle faut aussi il faut qu'elle soit une fille qui réfléchisse tout ça. Non, même si elle a des gants MAPA, moi je m'en fiche. Okay. Parce qu'il fait la cuisine ou qu'il fait la vaisselle. Non, ça me dérange pas. En fait, j'aime en tout cas avoir être avec quelqu'un qui m'aime pas. Ah ouais. Qui m'aime pas parce qu'elle me laisse faire tout ce que je veux et qui m'aime parce qu'elle m'empêche de faire tout ce que je veux. Mais ça c'est beau ça. Ça c'est très beau. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.